أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وكل رمضان وأنتم بخير إن شاء الله Allah subhanahu wa ta'ala existait alors que nulle autre chose n'existait avec lui. كان الله عز وجل ولم يكن شيء. فأول ما خلق. La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est القلم. أول ما خلق خلق القلم. ثم قال له اكتب. Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a créée, il a créé le kalam, le crayon. Et puis il lui a dit, écris. Il lui a dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit, écris la destinée de toute la création, de maintenant jusqu'au jour dernier. Oktub ma sayakoun min sha'ni al-khala'iq ila yawm al-qiyam. Allah subhanahu wa ta'ala a consigné absolument tout ce qui va se passer, pas ici sur Terre. La Terre, c'est rien du tout, c'est une planète négligeable. Dans un système, le système solaire qui est lui aussi négligeable, il est très 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 petit dans le monde. Même notre galaxie, la Voie lactée, c'est une galaxie parmi plus de 100 milliards d'autres galaxies dans le monde. Alors imaginez l'homme. Mais malgré ça, absolument tout ce qui se passe a déjà été consigné dans un livre, Al-Lawh al-Mahfouz. Je disais l'autre jour au séminaire dont a parlé le professeur Farid que prenez la forêt tropicale ou la jungle en Afrique ou en Amérique, regardez, il y a tellement d'arbres, il y a des millions d'arbres que même la lumière ne passe pas. Fait tellement sombre, tellement la densité des plantations. Et puis, d'un arbre, il y a une feuille. Pendant l'automne qui se décroche, la feuille tombe. Elle décrit une courbe comme ça, et puis elle se met en bas de l'arbre. Ben, cette courbe-là, l'instant où la feuille devrait se décrocher, l'endroit où elle devrait reposer, tout ceci a été consigné dans le livre dont je parlais. Rien, absolument rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu, il est en dehors du temps, puisque le temps c'est une grandeur physique que Allah a créée. Il est en dehors de l'espace, puisque l'espace c'est une autre grandeur physique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. الله عز وجل خارج الزمان وخارج المكان لأنه خالق الزمان والمكان سبحانه وتعالى. Et parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a consigné dans ce livre, comment tu vas vivre, quel jour tu vas naître, quel jour tu vas mourir et qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Si tu vas tomber malade, si tu vas gagner un diplôme ou un travail ou une prime ou quelque chose, si tu vas faire faillite, si tu vas avoir des enfants, si tu vas pas avoir d'enfants, si tu vas tomber malade, si tu vas avoir une difficulté, si tu vas avoir une peine, si tu vas avoir une joie, absolument tout ce qui passe dans ta vie a déjà été consigné. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé deux sortes de créations. Toute la création a choisi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le micro là qui est devant moi, la table devant moi, même le téléphone, la caméra, le tapis, les pylônes de la mosquée, tout. Si je mets le micro spécial, chose, vous allez entendre subhanallah, 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 subhanallah. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Toute chose a son propre langage. Elle est en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, en train de
croit en Dieu. Et ça, c'est la quasi-totalité de la création. Seulement, il y a une autre création, qui sont les djinns et les humains. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le choix, comme il a donné à toute la création. Toute la création a choisi, non, nous, on veut être programmés pour t'adorer, ya Rabbi. L'homme, il a dit, non, moi, je veux avoir le choix, le libre arbitre. Je veux t'adorer, mais de mon propre choix. Et les djinns, ils ont demandé la même chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit, voilà, vous allez naître sur l'islam. Vous allez naître croyant. Et vous aurez le logiciel d'origine sera un logiciel de croyant. Seulement après, dans la vie, vos parents, l'école, vos camarades, la télévision, les médias, Facebook, Twitter, la société, la culture, les passions peuvent vous dévier. Et moi, je vais vous donner les outils pour faire le bien et pour faire le mal. Et je vais vous guider pour faire le bien. Et si vous choisissez le mal, c'est tant pis pour vous. Et je vais donner dans cette vie une dynamique qui fait qu'il y aura parmi vous des pauvres et des riches, des grands et des petits, des beaux et des laids, des forts et des faibles, des bons et des mauvais. Et de cette dualité, il va y avoir une dynamique de vie. Il y aura des gens injustes qui vont être tyranniques avec vous. Mais il y aura d'autres gens justes qui vont vous aider. Il y aura des gens riches qui vont vous aider si vous êtes pauvre. Mais il y aura des voyous et des délinquants qui vont voler votre argent. Il y aura des femmes que vous épousez qui vont vous aider à adorer Dieu et bien éduquer vos enfants. Il y aura d'autres femmes que vous épousez qui vont vous divier, qui vont vous éloigner de Dieu et qui vont vous corrompre. Cette opération-là, on appelle ça al-ibtila. Ce sont les épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala yabtalina bil khayri wa bil shar. Et Dieu nous éprouve par le bien et par le mal. Et ces épreuves, c'est un examen, c'est un concours. Et à l'issue du concours, on va afficher les résultats. Si tu as gagné ton examen, si tu as réussi, et ben tu vas à l'adresse de droite qui est le paradis. Si tu as échoué, l'adresse de gauche qui est l'enfer. Wal'iyadu billah. Donc vous devez être sûr que absolument tout ce qui se passe dans votre vie, tout, même les choses auxquelles vous ne pensez pas, même les idées que tu as dans ta tête et tu penses que personne ne les connaît, même les secrets que tu as, et le secret, il n'y a que toi qui le connais, Dieu, mais même les secrets que toi-même, tu as un secret toi-même, tu n'es même pas conscient de ce secret. Ya'lamu sirra wa akhfa. Il connaît le secret, il connaît la chose que toi-même, tu ne connais même pas. Donc tout ce qui se passe dans ta vie rentre dans cette opération qu'on appelle al-ibtila, les épreuves. Si tu tombes malade, ce n'est pas juste parce que tu as chopé le coronavirus et parce que tu as contacté ton collègue de travail, etc. Non, si tu tombes malade, c'est parce que c'est déjà marqué dans une équation qui a déjà été préétablie selon des données mathématiques. Un collégien, il peut comprendre ça. Si tu gagnes un nouveau travail, un nouveau salaire, si tu épouses la femme que tu veux, si après des années d'attente tu as eu un enfant, si alors que tu as été licencié tu viens de trouver un autre travail meilleur, si jamais ta voiture tombe en panne, si jamais tu n'as pas d'argent pour payer la facture d'électricité, si jamais tu veux déménager de ce quartier et ça fait des années que tu attends qu'on te donne un logement, tu n'en as pas eu, quelle que soit la chose qui traverse ta vie, tu devrais comprendre ça comme des éléments de l'examen. Ce sont des questions, ce sont des matières dans cet grand examen qui s'appelle Al-Ibtila, et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut voir comment tu réagis. Pour chaque problème, il t'a donné une solution. Et il t'a envoyé le recueil, le code
de toutes les solutions, il est là. ما فرطنا في الكتاب من شيء. Il y a tout dans ce livre. Moi, je suis physicien de formation au début. Quand j'entendais, quand j'étais adolescent, j'entendais mes chiyours dire ما فرطنا في الكتاب. Il y a tout dans le Coran. Je dis ça va pas, non. Mon livre de physique, il faisait 700 pages. Il n'y a pas tout. Il y a quelques disciplines. Alors qu'il y a 604 pages, il y a tout. C'est impossible. Et dans mon livre de physique, la page fait 21 lignes. Il y a la page ne fait que 15 lignes. Comment il y a tout? Seulement, quand j'ai grandi, j'ai commencé à étudier le Coran. Vous pouvez faire une liste là de toutes les disciplines, toutes les sciences qui existent. Les sciences les plus pointues, celles qu'on vient d'inventer, et les sciences classiques qu'on connaissait depuis des siècles et des siècles. La médecine, la botanique, l'astronomie. Vous allez voir que ce livre-là, il touche, mais réellement, à toutes les sciences. C'est un livre qui parle des océans comme si c'était le commandant Cousteau. C'est un livre qui parle de la médecine comme si c'était Maurice Bucaille. C'est un livre qui parle de physique comme si c'était Newton. C'est un livre qui parle de mathématiques, c'est un livre qui parle de botanique, c'est un livre qui parle des relations sociales. Il les explique beaucoup mieux que Durkheim. C'est un livre qui parle de l'évolution beaucoup mieux que Darwin. C'est un livre qui parle du début, de la fin, de l'espace, du temps, qui parle de l'astronomie. Même la NASA, en 2022, n'est pas encore arrivée à résoudre les problèmes astronomiques que le Coran a déjà résolu. On ne fait au jour d'aujourd'hui qu'en réalité découvrir ce que le Coran a déjà consigné. Donc tout ce qui passe dans ta vie, si jamais tu as une difficulté, si jamais tu as un problème, il y a une solution. Il faut la trouver. Et si jamais tu n'as pas compris, c'est pas grave, il t'a envoyé un technicien. Si tu n'as pas compris le mode d'emploi, il y a un technicien formé qui s'appelle le prophète, qui s'appelle le messager, qui t'explique comment faire. Pour que tu restes sur le droit chemin, pour que l'adresse finale soit l'adresse de droite, Al-Jannah. Et parmi les outils qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, il y a un outil extrêmement important. Si vous prenez les versets de 183 au verset 187 de sourate Al-Baqarah, la sourate numéro 2. Ce sont les versets, vous avez entendu probablement les savants, les conférenciers avant moi, qui vous parlaient des versets de As-Siyam. Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoun. Puisque nous sommes en plein mois de Ramadan, on vous a probablement rappelé ces versets. Dans sourate Al-Baqarah, il y a 5 versets. Le premier, le 183, celui que je viens de réciter. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux devant vous. Peut-être seriez-vous pieux, peut-être craindrez-vous Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqoun. Et puis il y a eu 2 versets après. Le 4e verset n'a rien à voir avec Siyam. On dirait que c'est une phrase entre traits d'union. Jumla i'tiradiyya. C'est comme si on a ouvert une parenthèse pour donner une phrase. Et puis le 5e verset, il reprend. Il parle du jeûne, il parle de sawm. Uhilla lakum laylatu siyam arrafatu ila nisa'ikum. Donc il y a 5 versets. Les 3 premiers parlent du jeûne. Le 4e parle d'autre chose et le 5e reparle du jeûne. Si on zoome sur ce 4e verset, qui, on a l'impression qu'il a été introduit là. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي. Si mes adorateurs, mes serviteurs, la créature, l'homme, te pose une question en ce qui me concerne, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا. Si jamais on te pose des questions sur Allah,
sur la vie, sur la mort, sur l'au-delà, sur le temps, sur les problèmes, sur la maladie, sur l'injustice. Et bien, tu leur dis, je suis tout près de vous. Allah subhanahu wa ta'ala aqrab ilayna min habl al-warid. Il est plus proche que cette veine jugulaire là. Il est là avec toi. Pourquoi il est là avec toi? Parce qu'il sait que ce livre là, malgré qu'il y a toutes les solutions, tu ne vas pas tout comprendre. Et tu ne vas pas accéder facilement à toutes les solutions. Même s'il t'a envoyé un technicien, il t'a envoyé un messager, un prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la synthèse de toute la prophétie. Avant Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé 124 000 prophètes et messagers. Et puis il a clos, il a scellé la prophétie par le sceau des prophètes, Khatam al-Nabiyyin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a résumé tout ce que les autres prophètes et messagers ont fait. Mais si tu n'accèdes pas comme il faut à la sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, ou tu n'as pas bien compris ces hadiths, et tu es devant un problème insoluble, le médecin t'a dit, d'ailleurs c'est ce que j'entends chez les médecins quand le malade il est en fin de vie, ils disent il ne reste que la prière, même les médecins qui ne sont pas croyants, la médecine ne peut plus rien. Quand tu as un problème insurmontable, un problème de santé, un problème d'argent, un problème de famille, un problème d'enfant, un problème de voisin, un problème de campagne électorale, un campagne de des candidats qui n'ont rien trouvé pour résoudre les problèmes de la France que de taper sur les musulmans. C'est injuste, c'est n'importe quoi, c'est débile et imbécile, mais c'est comme ça. Et tous les médias relatent ces bêtises-là. Quand tu es devant ça, il y a une zone qui est interdite pour le musulman. C'est ce qu'on appelle la zone de désespoir. Mantaqatul qunut, mantaqatul ya's. Vous savez, l'homme, si jamais l'homme arrive au désespoir, c'est ça le malheur absolu. D'ailleurs, pourquoi les gens se suicident? Parce qu'ils arrivent à un problème où ils ne trouvent aucune autre solution que d'oublier le problème en oubliant leur vie. Ben, l'islam, il t'interdit de rentrer dans cette zone de désespoir. Il te dit, quand il n'y a plus de solution, quand le médecin ne peut rien, le président ne peut rien, l'ingénieur ne peut rien, ton père ne peut rien, ta femme, quand tout le monde ne peut rien, à ce moment-là, rappelle-toi ce verset-là qui a été intercalé dans les versets du jeûne. Waqt as-sawm fa inni qarib. Je suis là, je réponds. Et je vous donne la solution. Quand tu n'as aucune solution, quand le 15 du SAMU n'a pas de solution, quand le 18 des pompiers n'a pas de solution, quand les flics, le 17 n'a pas de solution, tu as un autre numéro à composer. Et là, il y aura toujours quelqu'un. Parfois, quand on appelle le SAMU, on a le temps de mourir trois fois avant qu'il réponde. Et quand il répond, il te passe l'un à l'autre, etc., pour trouver la solution, ça y est, la personne, elle est déjà partie. Et parfois, l'immeuble, la moitié de l'immeuble prend feu avant que, de l'autre côté du 18, on veuille nous donner une réponse. Là, c'est un numéro qui est à ta disposition 24 heures sur 24. Et dès le premier numéro, dès que tu composes, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui t'écoute, il enregistre et il répond favorablement à ta demande. Ya Rab. Tu dis Ya Allah. Ya Rab. Je suis malade. Les médecins ne peuvent rien. Fais quelque chose. Ya Rab. J'ai un problème de facture, je ne peux pas le payer. Fais quelque chose. Ya Rab, j'ai une femme qui n'écoute rien du tout. Elle fait le contraire de ce que je lui dis, fais quelque chose. Ya Rab, j'ai des enfants, je leur dis, levez-vous, ils s'assoient. Je leur dis, va à droite, ils vont à gauche, fais quelque chose. Ya Rab, j'ai un patron qui est un vrai tyran. Ya Rab, je vis dans un quartier, dans un pays, avec un gouvernement, où il y a beaucoup d'injustice. Demande.
Et tu peux lui parler dans toutes les langues. Il y a la traduction simultanée. Tu peux parler en patois, tu peux parler en picard, tu peux parler en français, tu peux parler en berbère, chelha, arabe, tout. Tu peux parler selon ta manière à toi, que même tes proches ne la comprennent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il comprend. Non seulement il te dit « demande-moi », mais il t'a dit « ujibu da'wat ad-da'i », je répondrai favorablement à ce que tu demandes. Et vous savez, s'il n'y a que ça, ça vaut la peine de vivre la vie. Wallahi al-azim. Moi, en tant que responsable européen, nous avons des problèmes qui ont un début qui n'ont pas de fin. Et j'ai dans ma propre personne, dans ma propre famille, des problèmes de santé. Tous les jours, j'ai un bobo quelque part. Ma femme, elle n'a entendu depuis une dizaine d'années que j'ai mal là, ça ne va pas. Là, tous les jours, je la bassine avec ça. Et je crois que j'ai fait le tour de tous les médecins de ma ville. Mais la seule chose qui peut me donner, qui peut me rassurer, qui peut me donner l'envie de continuer, c'est lorsque je mets mon front au sol et j'ai dit « Yara, oh mon Dieu ». Parce que là, je sais que je vais trouver la solution. Et comme je le répète toujours, le front au sol, les soucis s'envolent. Et c'est la meilleure chose qui peut arriver quand tu dis « Yara ». Si tu le dis avec le cœur, sincèrement, sois sûr que la réponse, elle est immédiate. Et d'ailleurs, malheureusement, des formations professionnelles physiques, je me suis dit, si la limite de la vitesse connue selon la relativité d'Einstein, c'est la vitesse de la lumière. Quand la matière dépasse la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, la matière devient de l'énergie. Ce téléphone-là, si je l'envoie à 300 000 km à la seconde, il va disparaître, il va devenir de l'énergie. La matière n'existe plus. Là, l'univers que nous connaissons, on ne connaît pas la fin de l'univers. Nous savons que c'est un univers infini. Et tout ce que nous voyons dans cet univers, c'est dans As-Sama ad-Dunya, dans le premier ciel. Et pourtant, on peut envoyer des sondes à la vitesse de la lumière, elles n'arriveront pratiquement jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on estime à peu près la création de l'univers à 14 milliards d'années. À peu près. Depuis la création jusqu'à au jour d'aujourd'hui, il y a des planètes qui ont été créées au Big Bang, des soleils, des étoiles. Et elles ont envoyé leur lumière vers nous depuis 14 milliards d'années. Cette lumière, elle a la vitesse de 300 000 km à la seconde. La vitesse, elle n'est pas encore arrivée sur Terre. Alors vous pouvez calculer vous-même la distance. Alors, on ne peut pas, il n'y a pas d'ordinateur suffisamment puissant pour calculer la distance. Ça c'est As-Sama ad-Dunya, c'est le premier ciel. Au-dessus il y a un autre ciel, le deuxième ciel. Et au-dessus il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un cinquième, sixième, septième. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Tous ces cieux ne font qu'un maillon dans le marchepied du trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Alors je me dis, quand je dis Ya Rab, le temps, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Mais la vitesse du son, c'est 340 mètres à la seconde. Le son, c'est une tortue par rapport à la lumière. C'est pour ça que quand il y a la tempête, vous voyez l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Parce qu'il y a eu l'explosion, la lumière vous arrive, et seulement quelques secondes après, vous allez entendre le tonnerre, le son. Et bien moi je dis, Ya Rab, le temps que Ya Rab arrive au septième ciel, il faut des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de... Ça va traverser des milliards d'années-lumière. Alors, j'aurai le temps de mourir mille fois avant que mon invocation arrive. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ud'ouni astajib lakum ». Parce que ta parole à toi, quand tu composes ce numéro « Ya Rabbi, Ya Allah », la réponse, elle est instantanée. L'espace n'existe plus, le temps n'existe plus.
Et immédiatement, Allah subhanahu wa ta'ala répond à ta demande. Et pourquoi il a cité ce verset juste, intercalé entre les versets des jeûnes? Pour nous dire que le meilleur moment, la meilleure période pour faire ta liste de courses, c'est pendant ce mois. Et d'ailleurs, si vous regardez, je vous invite à regarder quand vous rentrez chez vous, aujourd'hui vous allez probablement oublier, je vais tellement vous assommer avec la conférence que vous allez rentrer attendre juste l'harira. Mais ce n'est pas grave, quand vous retrouvez votre esprit le soir ou demain, ouvrez le livre et regardez la place de ce verset-là. Vous allez voir qu'il y a trois versets, il y a ce verset, il y a le cinquième verset. C'est-à-dire sa place, elle est pratiquement la même place que Laylatul Qadr, la nuit du destin dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire vers la fin du mois, là où il y a l'intensité de l'invocation. C'est pour ça, moi je prépare, tous les ans je prépare une liste spéciale Ramadan. À chaque fois qu'il y a quelque chose que je veux un ordinateur, le mien il est complètement bousillé, je veux un autre téléphone, je veux changer le sommier, il grince, je fais la liste. J'ai pas les moyens, je fais la liste. Pendant le mois de Ramadan, je commence par faire mes courses. Parce que je sais que je peux avoir de réponses. Wallah, je vous jure que le mois où je travaille le plus, c'est le mois de Ramadan, puisque je vais pratiquement dans une vingtaine de villes. Et il y a Tarawih en plus, puis tout est décalé. Mais pour ranger ma bibliothèque, pour ranger mes dossiers, qui restent dans l'anarchie toute l'année, le seul moment où je trouve le temps, c'est le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de baraka, il y a beaucoup plus de temps. Les choses que je ne peux pas faire tout au long de l'année, dans le mois de Ramadan, je trouve ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'avez senti, vous avez vu votre table, comment elle a changé, vous avez vu le jour de Ramadan, tout change. On sent qu'il y a une bénédiction, on sent qu'il y a une baraka. La meilleure chose de cette baraka, c'est que c'est l'occasion pour faire votre liste de courses. Et adressez vos demandes, vos doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a promis de répondre. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond toujours aux musulmans de trois manières. Bien sûr, il y a deux conditions. Il faut que tu sois sincère, que tu sois musulman sincère. Il faut que tu ne fasses pas une invocation pour faire du mal à tes proches. Qata al-rahim ou al-ithm. Tu ne vas pas demander à Dieu de te faciliter de gagner au loto. Tu ne vas pas dire, oh mon Dieu, moi je suis allergique à la bière, fasse que tu me guérisses pour que je puisse boire de la bière. Non. La tad'u bi-ithm. On ne demande pas quelque chose qui est illicite. Ou bi-qat'i al-rahim. Qat'i silat al-rahim. Ou faire du mal à quelqu'un. Si tu as ces deux conditions, l'invocation, elle est pour ton bien ou le bien des autres, et tu l'as fait sincèrement, sois sûr à 1000% qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre. Il répond, comme on vous l'a probablement répété 1000 fois, de trois manières. Soit il te donne ce que tu veux. Je veux avoir mon bac, je veux avoir mon permis, je veux payer ma facture, il te donne ce que tu veux. Ou alors, il éloigne de toi un mal, une peine, une souffrance, une calamité qui allait t'atteindre, équivalente au dua. Il y a quelque chose qui devrait te toucher par al-ibtila, justement, par cette opération dynamique dont j'ai parlé tout à l'heure. Par al-dua, Dieu éloigne de toi ce mal. Ou alors, il épargne ça pour toi, il le met dans ton compte bancaire. Et yaoum al-qiyama, le jour dernier, on va peser tes bonnes actions, tes mauvaises actions, et on va trouver malheureusement que tu as fait beaucoup plus de mauvaises actions que de bonnes. Et puis il y a la patrouille de l'enfer, il y a des anges qui viennent pour t'enlever, pour t'amener en enfer. Au moment où ils t'arrachent, Allah subhanahu wa ta'ala, attendez, stop. Et Allah subhanahu wa ta'ala sort une carte. Et dans cette carte, qu'est-ce qui a marqué? L'invocation que tu as faite. Ad-du'a alladhi da'awta bihi wa lam tara istijaba. Et tu penses que Dieu n'a pas répondu à ton invocation.
Il dit « Ya abdi iddakhartu laka dhalika hada al-yawm » Et ils mettent la carte sur l'autre plateau de la balance et c'est la carte qui va l'emporter. Il a dit « Alhamdulillah ». Heureusement que Dieu n'a pas répondu à mon invocation, sinon je serais parti en enfer. Donc sois sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à l'invocation. Ça c'est l'introduction, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Là on va voir c'est quoi cette histoire de guerre et cette bataille entre le ciel et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chacun d'entre nous, dès sa naissance, une ligne qui le relie au ciel. Je vais donner des images juste pour schématiser. Quand tu fais une invocation, quand tu fais une prière, même quand ton âme descend pour que les anges soufflent l'esprit dans le cœur du fœtus qui est dans le ventre de la maman, après 4 mois, c'est juste, au début c'est juste de la matière, après il devient un être vivant. Ben, cette âme, quand elle descend pour que tu retrouves la vie, ou quand elle te quitte le jour de ta mort, et toutes tes invocations, toutes tes prières passent toujours par le même endroit. C'est comme si, au ciel, il y a un toit, un plafond qu'on ne voit pas, qui est invisible, et dans le plafond, il y a des trous, il y a des passages, il y a des tubes. Et chaque trou, il est la propriété d'une seule personne, c'est marqué son nom. Et tout ce qui concerne cette personne passe par ce trou-là. C'est comme si vous avez une carte de passage, vous ne pouvez passer que par là. Il y a les anges qui font des gardiens, qui font la douane, et il y a la PAF, la police des airs et des frontières qui sont là-bas et qui contrôlent tout, tout ce qui monte et tout ce qui descend. Ça ne monte que par là, ça ne descend que par là. Et ce que je vous dis, c'est à peu près schématique, mais c'est la réalité. Chacun de nous, il a un endroit spécifique au ciel. Quand il dit « Ya Rab, irfirli »« Oh mon Dieu, pardonne-moi », cette parole, elle part. Seulement, elle a une vitesse, et elle a une intensité et elle a un ordre de priorité qui dépend de beaucoup de facteurs. Vous savez, vous pouvez envoyer une lettre normale, vous pouvez envoyer un chronoposte, vous pouvez envoyer un chronoposte urgent, un DHL, etc. Donc ça dépend de la gravité de ce que vous voulez faire et du temps dont vous disposez. Si vous dites « Rabbi irfirli »« Oh mon Dieu, pardonne-moi » Vous dites « Rabbi ishfini »« Aafini »« Oh mon Dieu, guéris-moi » Cette parole va monter. Seulement si tu la fais sincèrement, ben, elle va prendre plus d'intensité. Donc, et au lieu d'être en dessous de la pile des dossiers, elle va être au-dessus. Mais si jamais tu choisis le temps entre l'adhan ou l'iqam, après la prière obligatoire, le vendredi, au moment où tu jeûnes, quand tu es en voyage, le dernier quart de la nuit, juste avant Al-Fajr, tous ces temps-là, ce sont des temps privilégiés qui vont donner, c'est le chronopost, qui vont donner plus de priorité à ton invocation. Elle va passer prioritaire, elle va devenir beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide pour qu'elle arrive. Et toi, quand tu fais ça, qui va placer? Les anges qui t'écoutent, qui écrivent tout et qui sont en communication avec la PAF, les anges qui contrôlent. On dit, attends, ça, c'est une invocation importante. Il l'a faite et elle a rempli 1, 2, 3, 4, 5 conditions. À chaque condition, on donne plus de priorité, plus de puissance et d'intensité à cette invocation. Et je me rappelle, il y a 4 ans, 5 ans, pendant le mois de Ramadan, subhanallah, je suis parti de Amiens pour aller dans la ville du Havre pour faire une conférence. Je pense que c'était un vendredi où, et il pleuvait. Et je disais, j'avais avec moi je leur ai dit, subhanallah, là, on jeûne, c'est le vendredi, on est en voyage et il pleut. Toutes les conditions, alors faites des invocations, faites tout. Là, parce que vous avez toutes les conditions pour que votre invocation arrive la première.
Donc nous allons choisir le moment pour donner plus d'intensité, pour donner plus de priorité. Et l'invocation Alpa arrive dans ce trou dont j'ai parlé dans le ciel, là où il y a le contrôle, là où il y a la douane. Et on va à ce moment-là mettre le tampon ultra prioritaire, confidentiel, important, ou alors on va la prendre et la jeter à la poubelle. Au moment où ton invocation arrive, tu vas découvrir malheureusement autre chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé, le créant, il a écrit, quand il a décidé qu'il y a une calamité qui va t'atteindre. Il y a un ibtila, il y a une épreuve, il y a une maladie, il y a un licenciement, il y a un scandale. Tu vas être victime de quelque chose d'insupportable. Tu vas perdre un proche, il y a quelqu'un de ta famille qui va mourir, tu vas avoir un accident. Quelque chose d'horrible, d'insupportable, qui descend. Et on le voit. Monsieur Tel, tu as un numéro de sécurité sociale. Eh bien, il faut que tu saches que les anges, ils ont ton code barre. Ils savent. Et tu vois que c'est ton code barre. Cette calamité-là, elle vient pour t'atteindre. Seulement l'invocation que tu viens de faire, qui t'est arrivée en même temps. Al-qada, al-qadr, al-ibtila nazil. Cette destinée, ce destin, cette calamité, cette souffrance, cette peine, cette épreuve, elle est en train de descendre. Et ad-du'a sa'id. Et l'invocation, elle est en train de monter. Mais l'invocation, elle n'est pas toute seule. Tu l'as fortifiée par al-amal salih, par les bonnes actions. Tu as choisi le bon moment, tu as choisi la sincérité, tu as choisi la prière, tu as fait tes ablutions, tu as commencé par flatter Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thana ala Allah azza wa jal, alhamdulillah, Allahumma laka alhamdu haqqa hamdak, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. En plus, salat ala nabi, Allahumma salli wa sallam wa barak ala nabi Muhammad. Tout ça, c'est amal salih. En plus, tu as demandé à Dieu, oh mon Dieu, je suis obéissant, je suis bon avec mes parents. Oh mon Dieu, j'essaie de faire mes prières à l'heure. Oh mon Dieu, j'essaie d'éviter les péchés. Oh mon Dieu, j'essaie d'éviter la corruption. Et je le fais pour toi, pour ta crainte. Je te supplie, oh mon Dieu, d'accepter mon invocation. Et là, dans l'invocation, tu mets deux points, tu mets la guérison, la richesse, l'obéissance, éviter une injustice, ce que tu veux. Donc, l'invocation, elle arrive et elle a toute une patrouille pour l'aider, qui est al-amal salih. Wal-amal salih yarfa'u. Les bonnes œuvres, Allah yarfa'ha. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien, devant les yeux ébahis des anges de la PAF, il va y avoir une bataille entre le mal qui devrait te toucher et l'invocation qui doit partir. Et l'invocation, elle arrête le mal. Il va y avoir une guerre, une vraie guerre. À chaque instant, là au moment où je vous parle, wallah, c'est une guerre déchaînée entre ciel et terre. Nous, on ne la voit pas. Mais le prophète sallam, il nous a fait un reportage. الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان يتخاصمان. Ils se disputent. Et là, il y a trois cas, trois éventualités. Soit الدعاء, l'invocation, est plus forte que la destinée, que القضاء, que le mal qui va t'atteindre. Pourquoi Dua est plus fort? Parce que tu as choisi les bonnes paroles, tu as choisi le bon moment, avec la sincérité. Et tu as choisi de l'accompagner, de le faire accompagner par les bonnes œuvres. À ce moment-là, Dua est beaucoup plus fort que le mal qui allait te frapper. Ton fils est malade et les médecins t'ont dit, il n'y a plus d'espoir, il va mourir. Et ça y est. Et Dieu, il avait donné... L'année dernière, il avait donné aux anges que le 10 avril 2020, vous devez prendre l'âme du fils de ce monsieur-là. Ton fils, il est à l'hôpital et tu sais, tu attends quelques heures et les médecins vont t'annoncer la mauvaise nouvelle. Et toi, tu as fait tes ablutions, tu as pris ton tapis, tu as fait ta prière, après la prière,
tu t'es dirigé, ou pendant la prière fais sujoud, et t'as invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça y est, ton coulis, il est parti. Et voilà que la décision de prendre l'âme de ton fils, elle est là. Et tous les deux vont s'affronter. C'est la mission des anges. Je vais finir par vous expliquer ça tout à l'heure. Les anges devraient prendre l'âme de ton fils. Seulement, l'invocation ne veut pas. Il va y avoir une bataille entre la décision de faire mourir ton fils et ta demande de le guérir et de le sauver. Si ta demande est plus forte, إِذَا كَانَ الدُّعَاءُ أَقْوَى, si ton invocation est plus forte, c'est pour ça que c'est important. Vous faites le dua comme ça et vous partez. Non, c'est une bataille. Il faut que tu la gagnes. Il faut que tu prennes les bons outils, les bonnes armes, les bons plans, la bonne stratégie pour espérer gagner. Si le dua est plus fort, il va vaincre la décision. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les anges regardent, إِذَا دَعَى عَبْدِي, si mon serviteur a fait une invocation comme ça, qui a cette valeur-là, elle est sincère à 9 sur 10. Il a fait des bonnes œuvres, 8 sur 10. Il a choisi le bon moment, 10 sur 10. Il l'a répété 3-4 fois, 7 sur 10. Il m'a flatté, il m'a invoqué, il m'a sublimé, et puis il a fait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 9 sur 10. Donc, elle est largement au-dessus de la moyenne. À ce moment-là, sauvez son fils. Ne prenez pas son âme maintenant. Faites-le dans un an, dans 20 ans, dans 30 ans. Et là, c'est Ad-Dua qui a vaincu Al-Bala, qui a vaincu Al-Qadar. Mais bien sûr, Fil-Lawh Al-Mahfoud, dans le livre de Dieu, ce qui est marqué, c'est le résultat final. On ne va pas gommer ce que Dieu a déjà écrit. Non, ce qui est écrit, c'est que l'âme de cet enfant devrait partir, mais son père va faire une invocation qu'Allah va accepter et on va lui donner une dérogation. Il va vivre encore des années. C'est ça, c'est le résultat final qui est marqué auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier cas. Ton invocation, elle est beaucoup plus forte, mieux armée, et elle va vaincre la calamité, la souffrance, la peine, l'épreuve, l'ibtila qui doit te toucher. La deuxième éventualité, le deuxième cas, c'est que ton invocation, soit tu n'as pas fait d'invocation du tout, ou tu l'as faite sans qu'elle soit forte. Tu l'as faite en pensant au match qui va commencer dans 20 minutes. Tu l'as faite en pensant à la sortie que tu vas faire avec tes copains et tes amis. Tu l'as faite sans même savoir ce que tu as raconté. Tu l'as faite avec aucune conviction. Tu dis, bon, on m'a dit de faire, je le fais, mais de toute façon, je sais que c'est... l'invocation ne vaut pas plus que le professeur Tartampion, un professeur de médecine. Il a 70 ans, il a dit qu'il est foutu, il est foutu. Vous croyez que c'est cette histoire d'invocation et la science... bien sûr, c'est toujours la science qui gagne. Vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala, et moi j'ai entendu même des prêtres, des imams, dire, vous croyez que Dieu il est là pour changer les règles de la médecine pour tes beaux yeux? Ben, tu n'as aucune conviction, tu n'as aucune sincérité, tu n'as même pas tes ablutions, peut-être tu n'as pas fait ta prière, ou tu fais l'invocation assis sur le tabouret du bar en train de discuter avec... À ce moment-là, ton invocation, elle est tellement ridicule, elle est tellement faible, que bien sûr, la destinée va gagner. Et on va prendre le formulaire de ton invocation, on va le chiffonner, on va le jeter dans la poubelle, ça ne monte même pas au premier ciel. Et après, tu t'étonnes, tu dis, oui, mais je demande, oui, tu as demandé, mais tu n'as pas rempli les conditions. Il y a deux conditions. On a dit, il y a la sincérité et... faire. Et quand on dit la sincérité, c'est très important la sincérité. Al-ikhlas fi du'a. Parmi al-ikhlas fi du'a, c'est être convaincu à 1000% qu'Allah va accepter puisqu'il l'a dit.
il va te répondre favorablement des trois manières dont j'ai parlé tout à l'heure. Soit il te donne ce que tu veux, soit il éloigne de toi un mal, soit il t'épargne ça et il te le réserve pour le jour dernier. Il faut que tu aies cette conviction-là quand tu fais l'invocation. Si tu n'as rien de tout ça, eh ben le mal va arriver. À peine tu as fini de te lamenter sur ton sort que le téléphone sonne. Ici, l'hôpital tel, on a malheureusement, je suis désolé de vous annoncer qu'il va t'annoncer la mauvaise nouvelle. Le troisième cas, la troisième éventualité, c'est que le match va être nul. L'invocation, elle a la même intensité, la même force, la même capacité que l'ibtila. Et Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Yakhtalijan » ou « Yata'alajan » Mais même là tu gagnes, parce que comme le match il est nul, comme la bataille est équilibrée, et ben il reste dans la bataille jusqu'au jour dernier. Et la bonne nouvelle, c'est que le jour dernier, c'est toujours Ad-Dua qui gagne. Donc ça va être quelque chose qui va être préservé pour toi, qui va être épargné pour toi pour Yawm al-Qiyamah. Tu trouveras ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Comme nous savons qu'à chaque instant, il y a quelque chose qui nous est destiné, de bien et de mal. Et comme nous savons que cette chose qui va venir va nous atteindre et qu'on ne peut absolument rien, et que la seule arme que nous avons, c'est ça, c'est Ad-Dua. Nous allons dire, voilà, on va faire de telle sorte, soit on gagne la bataille, ou alors nous allons vaincre le mal, même s'il nous touche, il va être tellement faible, tellement fatigué, qu'au lieu que mon fils meure, il ne mourra pas. Mais il gardera quelques séquelles, il gardera une cicatrice, il gardera peut-être, il va boiter de sa jambe, en tout cas il gardera, hein, Dieu va éloigner le mal. Ou alors au lieu que le mal frappe mon fils, ben le mal va tomber sur la gazinière, elle va tomber en panne. Tomber sur la voiture, la roue va crever. Hein. C'est pour ça qu'on dit « Dafa Allahu ma kana a'zam ». Le mal il devrait descendre, mais Ad-Dua, comme il n'a pas pu le vaincre, il l'a divié. Il l'a affaibli. Et nous, si on peut vaincre le mal, c'est tant mieux. Mais si on ne peut pas le vaincre, la moindre des choses, c'est de l'affaiblir, de l'atténuer, de le divier. Perdre un verre. Un verre se casse dans la cuisine, c'est mieux que de perdre un doigt. Que le torchon brûle à côté de la gazinière, c'est mieux que le bras de ta fille qui brûle. Que le plat, le harira, ce soir, ta femme, sa mère l'a appelé, et quand sa mère l'appelle, ben c'est 3 heures de blabla pour rien dire, et ben elle a oublié qu'elle avait la casserole sur le feu, et ben tu vas pas manger le harira à la tigre. Et ben c'est mieux, ça. Tu vas manger autre chose, tu vas manger le reste d'hier, parce qu'en réalité, il y avait un mal qui allait te coucher. Dans le harira, il y a eu une araignée, tu n'as pas vu, qui est tombée dans la casserole, qui était empoisonnée. Si tu avais mangé cette harira, tu serais malade pendant 2 mois, 3 mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a fait perdre le harira, mais il t'a sauvé la santé. Ce sont des choses qui arrivent à chacun. Nous, on ne le sait pas. On pense que c'est comme ça, c'est le hasard. Non. Il n'y a rien qui est au hasard. Tout est fait. Et l'assurance que nous avons, la meilleure mutuelle, la meilleure assurance, c'est d'avoir de bonnes relations diplomatiques avec Allah subhanahu wa ta'ala, de suivre ses prescriptions, mais surtout de préparer à chaque instant cette bataille continuelle qui se livre tous les jours entre ciel et terre, et où c'est au passage de nos actions vers le ciel, au passage de la destinée du ciel vers nous. Et ce que je vous raconte là, j'essaie de schématiser, ce sont les hadiths authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, « La yaruddu al-qada illa al-du'a ». Et dans une autre version, « La yaruddu al-qadar illa al-du'a ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Rien ne change la destinée, ne repousse la destinée à part al-du'a, à part l'invocation ».
Ou ad-du'a, dans un autre hadith, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est l'adoration. Et dans un autre hadith, ad-du'a mukhu al-ibada. Ad-du'a, c'est l'âme de l'adoration. Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Votre Seigneur a dit, demandez-moi, je vous répondrai. Et après, innal ladina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui ne veulent pas m'adorer. C'est-à-dire, si tu invoques pas Dieu, idha la tad'u Allah azza wa jal, ka'annaka lam ta'bud Allah azza wa jal. Ad-du'a, c'est al-ibada. Ad-du'a, c'est l'essence même de l'adoration. Parce que quand tu dis Ya Rab, ça veut dire quoi? Ya Rab, irfini. Oh mon Dieu, guéris-moi. Ya Rab, ishfini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es faible, il est fort. Tu es dépendant de lui. Tu as besoin de lui. Tu n'as pas d'autre alternative que lui. T'as pas, et il n'y a que lui. Donc il y a l'unicité. Il y a ta pauvreté à toi. Et le besoin que tu as de Allah subhanahu. Et c'est ça l'ibad. L'ibad, c'est la soumission. C'est reconnaître sa faiblesse devant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit la yaruddu al-qada. Al-qada, c'est la destinée. Al-qadar, c'est le destin. Quelle est la différence entre les deux? Al-qada, c'est ce qui a été décidé. Mais quand il arrive, ça devient qada. Quand ça commence à se réaliser, ça devient qada. La destinée, c'est la décision qui a été prise en amont. Si cette décision commence à se réaliser, ça devient un destin. Ça y est, c'est, le destin te touche, te frappe. Et le prophète, il a dit les deux versions. C'est-à-dire, soit la destinée, al-qada arrive jusque toi, al-qadar, mais il va être atténué. Tu vas le supporter. Ou alors, la décision elle-même ne viendra pas. Soit la maladie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que tu tombes malade par le virus le plus, je ne sais pas, le delta ou de coronavirus, le plus virulent qui risque de t'amener en réanimation ou au cimetière. Seulement, tu as fait une invocation. L'invocation, elle peut faire deux choses. Soit tu ne seras jamais atteint du virus, que tu sois vacciné ou non. Tu seras épargné. Allah fera que tu seras épargné. Ou alors tu auras le petit virus Omicron, que c'est juste une petite grippe, une petite toux, quelques jours, un peu, et puis ça y est. C'est... Donc tu auras une maladie allégée. Tu auras toujours un résultat, soit à 100%, soit on atténue ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a exhorté, il nous a dit, n'oubliez pas ad-du'a dans chaque prière. C'est pour ça que j'ai dit à beaucoup de mes amis imams, quand je fais la prière derrière eux, ils disent, Subhan Rabbi ala, Subhan Rabbi. Moi, je n'ai même pas terminé Subhan Rabbi ala trois fois, lui, Allahu Akbar. Hey, ça ne va pas, non, je lui dis. Fais moins de lecture, fais moins de prière et passe plus de temps sur sujoud. Je suis venu avec ma liste, j'ai 40 choses à demander à Dieu, je n'ai même pas dit Subhanallah et puis Allahu Akbar. Non, saisissez l'occasion. Vous êtes aqrab ma yakunu al-abd min Allah wa huwa sajid. Il y a des imams, moi je les soupçonne de ne pas dire Subhanallah, Allahu Akbar. Parce que à peine que moi je commence, je ne suis même pas chauffé que lui, ça y est. Non, non, non. As-sujoud, prends du temps. Prends le temps, fais sujoud. Ad'u Allah subhanahu wa ta'ala. Et demander à Dieu, vous savez ce que le prophète dit? Il dit, ad'u Allah. C'est-à-dire le lacet. Tu vas avoir une réunion importante avec un journaliste, avec le prophète, avec le maire, avec quelqu'un d'important. Et puis tu t'es mis sur ton bon costume et tu as pris tes belles chaussures. Et au moment où tu allais faire tes lacets, le lacet se casse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas mettre les baskets, tu vas pas mettre les chaussures là abîmées. Et eh bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, pas de problème, pas de panique. Téléphone. La ligne, elle est ouverte. Ya Rab. Laqad inqata'a sha'su hida'i. J'ai perdu le lacet de mes cheveux. Fais quelque chose. On ne va pas lui dire comment faire. Faites attention. Mais là, Farid va programmer une autre conférence, Inch'Allah. Je vais vous parler de comment faire ad-du'a. Comment, c'est très important. Quand et
comment le faire, c'est très important. Et on va parler de l'i'tidal. Comme j'entends des imams fi khutbat al-jumu'a, ils sont tellement frustrés, les pauvres, alors ils font des invocations contre les tyrans. Vous savez, les musulmans, malheureusement, on est victime de dictateurs, de tyrans. Alors, Allahumma adhibhu idha qam, wa adhibhu idha jalas, wa adhibhu idha nam. Allahumma khudhu fi malihi wa fi waladihi. Allahumma asubhu bi da'in fi batni. Il donne toute une liste de tortures à Dieu. Il dit à Dieu comment torturer la personne. On dirait que c'est un tortionnaire nazi qui il prépare et il passe 10 minutes à montrer à Dieu comment il doit châtier, comment il doit punir. Alors qu'il s'est fini, Allahumma ikfinihi. Oh mon Dieu, débarrasse-moi de lui. Enfin, parce qu'il ne me fasse pas de mal. Mais on ne doit pas dire à Dieu tous les détails. Oh mon Dieu, j'ai perdu mon lacet. Fais quelque chose. Et à peine tu as terminé l'invocation que ton fils il rentre. Tu dis, ah bah papa, tu sors. Attends. Hier, j'ai trouvé, au Décathlon, j'ai trouvé des chaussures, il y avait des soldes, regarde. Il te montre des chaussures qu'il vient juste d'acheter, hier, il les a achetées. Et comme tu fais la même pointure que lui, ah, tu dis, ah, ça y est, la solution, elle est venue immédiatement. Tu prends les chaussures de ton fils, tu vas voir ton préfet et tu es content. Ne dites pas que c'est de l'anecdote. Chacun de vous, dans sa vie, il a vu combien Allah subhanahu wa ta'ala lui est venu en aide. Et vous devez avoir la conviction que si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, « Ud'ouni astajib lakum »« Demandez-moi » Et si le prophète nous a demandé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas à penser comment Dieu va répondre. Comme a dit Omar, « Inni la ahmilu hamma l'ijaba walakinni ahmilu hamma d'du'a » On ne te demande pas comment Dieu va répondre, on te demande de faire la demande. Ton devoir à toi de faire la demande. Seulement, le cours d'aujourd'hui, c'est pour te dire, il faudrait que la commande soit faite de telle manière que cette bataille, parce que cette commande, elle va rencontrer des difficultés dans le ciel. Parce qu'il y a une calamité, il y a une peine, il y a une souffrance qui va te toucher. Il faudrait que tu prennes toutes les dispositions pour que ton doua arrête les souffrances. Ou alors il les atténue. Et comme ça, tu vas voir ta vie. Et vous savez, il y a des choses, si je n'étais pas physicien, je me traiterais moi-même de charlatan. Parce que j'ai une douleur, je mets ma main ici sur le sternum, je sens une douleur insupportable. Quand je regarde, c'est rouge tellement j'appuie, c'est insupportable. Et puis, je vois quelqu'un de vertueux, comme Farid, fais-moi une invocation. Il met sa main et il fait, je ne sais pas ce qu'il raconte, je vois bouger ses lèvres. Et puis, 5 minutes après, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Et réellement, j'ai plus rien. Ou alors moi-même. أعوذ بعزة الله ورحمته أعوذ بكلمات الله التام مما أجد وأحاذر. Tu fais ça, tu le fais sincèrement. Tu n'as pas le remède médical, tu as un remède d'urgence. En attendant que tu aies à l'hôpital de voir le médecin, de mettre une pommade, un anti-inflammatoire, Allah te soulage. Parce qu'il a promis de répondre. Donc toi, ce que tu devrais faire, c'est de formuler l'invocation et surtout de prendre les dispositions pour gagner cette bataille. Et croyez-moi que cette bataille, elle fait rage tous les jours. Nous, on ne le voit pas, mais tu ne peux pas savoir ce qui t'est destiné. Normalement, en sortant de la mosquée, c'était marqué que tu devrais être écrasé par l'autobus qui passe là dans là. C'est marqué dans... Et les anges devraient juste venir cueillir ton âme. Seulement, comme tu étais ici, comme tu as fait des invocations, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a sondé, cette sincérité, ce amal salah, ces bonnes œuvres et les invocations que tu as faites vont empêcher cette destinée de devenir un destin et de te toucher. Je termine, comme je l'ai dit, comment la chose se passe, parce qu'il y a des questions qui peuvent être... Je termine, quelques minutes seulement. Al-qadar qadaran. Il y a deux sortes de destinées. Il y a ce qu'on appelle al-qada al-mahtoum, al-qada al-mubram. Il y a la destinée qui est inéluctable, immuable, ça ne change pas. Et là, même les anges ne peuvent rien pour ça. C'est marqué, ça arrivera. Par exemple, si tu demandes à Dieu, tu fais tes ablutions comme il faut,
tu fais ta prière comme il faut, tu es sincère, ton cœur il est présent comme il faut, tu te mets sur le tapis, direction Al-Qibla, tu choisis le meilleur moment du vendredi, quand il pleut pendant le mois de Ramadan, et tu le fais dans une autre ville parce que tu es en voyage, tu as rempli toutes les conditions. Tu dis, Allahumma, ij'alni khalidan fi dunya. Oh mon Dieu, fasse que je ne meure pas dans cette vie, que je vive éternellement. Bien sûr, tu ne vas pas vivre éternellement. Ça, ce n'est pas une invocation qui va être acceptée. Pourquoi ? Parce qu'il y a la destinée immuable, inéluctable. Al-qada al-mubram, kullu nafsun da'iqatul mawt. Tu vas mourir. N'espère pas que Dieu va te faire prolonger ta vie éternellement. Mais si tu dis Allahumma barik li fi umri, mon Dieu bénis ma vie, mon Dieu allonge ma vie, hein, là il y a l'autre destinée, al-qada al-mu'allaq. C'est quelque chose, c'est une destinée conditionnelle. Et cette destinée conditionnelle, elle est extraite du livre tous les ans, fi laylatil qadr. Et dans quelques jours, on va avoir les qadr. C'est ça, les 10 dernières nuits. Préparez dès maintenant votre agenda pour réserver du temps. Peut-être que vous allez coïncider avec Laylatul Qadr. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il extrait du livre, du destin inéluctable, un destin que lui, il se réalise si des conditions sont faites. Vous devez, mon serviteur devrait perdre sa voiture dans un accident. Mais si jamais il fait une invocation, alors faites que il n'y a que la roue qui va crever. Ou alors faites que c'est la voiture devant lui qui va avoir l'accident et lui va être épargné. Ça, c'est une destinée, mais conditionnée, ce qu'on appelle al-qada al-mu'al. Les anges, eux, ils ont cette deuxième partie de l'qada. Les anges, ils viennent tous les ans avec maqadir, la destinée des gens pendant l'année. Tout ce qui va se passer pendant l'année. Et c'est ça qui peut changer. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu umul kitab. Et Dieu, il conserve ou il change, il efface, il modifie. C'est un amendement. Il amende ce qu'il a décidé, mais il y a des choses inéluctables auprès de lui, fi umul kitab, la mère des livres, c'est-à-dire la matrice essentielle où rien ne change. Donc ne dites pas que ad-du'a yarud al-qada, c'est contradictoire. Non. Ad-du'a change la destinée parce que Ad-du'a lui-même fait partie de la destinée. Ad-du'a min al-qada. Al-qada yarud al-qada. Et comme Ad-du'a fait partie de al-qada, donc c'est comme ça on dit Ad-du'a yarud al-qada. C'est pour que vous soyez sûr et certain que ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, a une influence directe sur votre destinée. Et ne négligez jamais, jamais, jamais de garder le contact continuellement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu bois, tu dis bismillah. Quand tu termines, tu dis alhamdulillah. Quand tu manges, tu dis bismillah. Quand tu portes tes vêtements. À chaque instant, à chaque action, nous avons une invocation. Et cette invocation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrête le mal, elle bénit le présent et elle fortifie, elle augmente ton capital de bonnes œuvres. Donc si je résume, qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui? On devrait tout faire pour gagner la bataille, pas entre la Russie et l'Ukraine, mais entre Al-Bala et Ad-Du'a. Nous devrons fortifier notre invocation, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons saisir tous les moments de ce mois béni pour formuler des invocations afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellisse notre vie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dirige sur le droit chemin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre adoration pendant ce mois. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad.